Bonsoir les amis, j'espère que tout le monde va bien. Donc, on repart pour un nouveau petit quintet. Donc, ça sera un nocturne, un vendredi soir. Donc, c'est un quintet où il y a quand même des bonnes bases. Mais j'ai eu une très très bonne info hein, d'un cheval à plus de 30 contre 1 qui risque de faire une petite surprise. Alors, je vais vous expliquer lequel et comment je l'ai joué. Voilà, et puis je ferai mon petit 2 sur 4 hein, comme tous les jours. Voilà, donc les pronostics. Donc, je suis parti sur un quintet à 3 bases et 2x. Donc, les 3 bases, hein, As, 2 et 5. Bon, ces 3 chevaux-là, à moindre que la foudre leur tombe sur la tête, devraient faire l'arrivée, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est après qu'il faut trouver donc les bons tocards. Et la petite info que j'ai eue, ben, c'est sur le 12. Le 12, si vous regardez sa musique, hein, il n'y a que des mauvais résultats. Et par contre, j'ai eu des très bonnes infos. Ça risque d'être la surprise pour la quatrième ou cinquième place. Alors, peut-être il ne sera pas là, ça c'est sûr. Mais enfin, il y va pour faire une petite surprise. Voilà, ben comme aujourd'hui, hein, je vous disais le 13 ou le 16, et c'est le 16 hein, qui est là. Hein, j'avais même, et le 15 qui même est arrivé dans les bases. Voilà, donc pour le quintet, donc quand je vous disais 5, 2 et As. Avec double X, donc avec le 3, le 4, le 6, le 7, le 9 et donc le 12. Voilà, et le petit 2 sur 4 quotidien, on va jouer l'As, le 2 et le 5. Ça, avec un 2 sur 4 comme ça déjà au moins, ça c'est normalement gagné. Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée et bon pronostic, bon gain et à demain. Au revoir.